Salam tout le monde, bienvenue sur notre chaîne d'actualité Maroc 24. On vous invite à liker si vous aimez la vidéo et aussi commenter si vous avez des questions ou appréciations pour nous encourager davantage. Aujourd'hui, lundi 1er août 2022, on a choisi de vous parler de la visite à Alger du prince héritier saoudien Mohammed bin Salman, annulée à la toute dernière minute et dans des circonstances qui demeurent mystérieuses. Plus de détails dans cette revue de presse tirée des sites d'information Le CTV et Bledi. Attendu à Alger le vendredi 29 juillet dernier, le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman, MBS, a annulé sa visite en Algérie. Le jeune prince saoudien, l'un des leaders les plus influents dans le monde arabe et musulman, devait être reçu par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Une importante entrevue était prévue au palais présidentiel à Alger pour aborder des questions d'une actualité très brûlante, à l'image des cours du pétrole sur les marchés mondiaux, ainsi que le prochain sommet de la Ligue arabe, prévu au début du mois de novembre prochain à Alger. La visite de MBS à Alger était même considérée comme la démonstration du retour en force de l'Algérie sur les devants de la scène internationale, d'autant plus qu'elle intervient dans un contexte international marqué par la guerre qui fait rage en Ukraine, en plein cœur de l'Europe. Cependant, à la surprise générale, MBS a annulé sa visite à Alger, et aucune explication n'a été fournie, officiellement, par les autorités algériennes au sujet de cette annulation brusque, qui a étonné de nombreux observateurs internationaux. Force est également de constater qu'un silence très gêné règne à Alger, autour de ce sujet du report, ou plutôt de l'annulation, de la visite de MBS à Alger. Aucune source officieuse algérienne ne veut fournir la moindre information détaillée et précise. Toutes les sources les mieux informées et les mieux introduites au sein du sérail algérien se sont contentées d'évoquer un désaccord majeur, opposant l'Arabie Saoudite et l'Algérie, à propos d'un dossier brûlant de l'actualité régionale et internationale. Certaines sources évoquent la délicate question du retour de la réintégration de la Syrie au sein de la Ligue arabe, alors que d'autres parlent volontiers des pressions saoudiennes exercées sur l'Algérie, pour la persuader de normaliser ses relations avec le Maroc, après près d'une année d'interruption brutale. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.